Bonjour les chilous, bienvenue, welcome avec Taskiller 85, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va parler de la Turbo Racing C81. Oui, enfin, ça fait à peu près une semaine, 8 jours, 8-10 jours que je l'ai. J'espérais en avoir une deuxième par Turbo Racing directement, mais je ne l'ai pas eu et je ne l'aurai pas apparemment. Je ne sais pas pourquoi, peut-être ils sont un peu radins, je ne sais pas. Bref, merci à Mariette de m'avoir envoyé ce petit modèle de C81 parce que j'avais vraiment hâte de tester. C'est vrai qu'on s'est éclaté avec les turbo racing sur circuit, etc. Je vous avais dit le seul souci, le seul reproche qu'on peut leur faire, mais c'est pas vraiment un reproche, c'est au-delà de leurs possibilités, c'est qu'il faut une surface absolument lisse. Dès que c'est un peu rugueux ou moquetté ou ce genre de choses, ça se dit pas moquetté, ça passe pas, tout simplement. C'est fait pour des surfaces extrêmement lisses. Là, on arrive avec un petit engin off-road, un petit engin passe-partout, et vous allez voir, on peut faire un petit peu de franchissement, on peut faire un petit peu de off-road, on peut faire des sauts, on peut faire pas mal de choses avec ce petit engin. Juste avant de commencer à faire l'unboxing et à vous parler du produit, je vous rappelle que le concours permanent est en route et pendant cette quinzaine, bien sûr, vous avez, vous le savez, le Petrel 65 à gagner, le pack complet FPV, et le lot de deux petites voitures Q33 Diatone avec les deux masques que j'ai mis en jeu. Donc le gagnant qui sera tiré au sort, enfin je tirerai bien sûr deux commandes au sort, et le premier qui reconnaîtra sa commande choisira entre le Petrel ou le lot de deux voitures, tout simplement. Vous savez comment ça fonctionne maintenant. Et à la fin de la vidéo, on viendra faire le tirage au sort pour la petite HBX 16889 qu'on avait vue, pas la vidéo dernière, mais celle d'avant. Vous savez, l'indestructible petite HBX. On attaque tout de suite avec cette petite C81. Donc, belle petite boîte. Ça change un petit peu des boîtes qu'on a habituellement, mais il fallait une plus grande boîte parce qu'il y avait plus de choses à mettre dedans. Donc, bien sûr, le temps de jeu, le temps de charge, etc. C'est pas forcément ce qui est marqué sur la boîte qui nous intéresse, sauf petite indication, quand elle va vous être livrée, hop, elle sera fixée. Alors attendez, je vais la sortir de là. Elle sera fixée ici avec des riselants, tout simplement avec un riselant sur cette petite partie là. Et pour la retirer, je sais que certains ont galéré, il faudra simplement tirer sur le capot. Donc vous tirez tout simplement ici, hop, vous soulevez, et là vous allez pouvoir retirer le riselant qui va être pris à l'intérieur tout bêtement. Et comme ça, vous libérez le joujou. Voilà. Donc, c'est rare hein, quand je vous dis comment déballer quelque chose, mais j'ai tellement de questions que maintenant, je vais aller au fond des choses. Dans cette boîte, vous trouverez également, non pas deux rampes de tremplin, mais quatre rampes de tremplin. Deux basses, hop, et deux assez hautes ici. Vous voyez la différence. Donc, soit on s'en servira, bien sûr, pour passer de la grande à la petite, ou de la petite à la petite, ou de la grande à la grande. Et ça, je trouve ça top. Je m'attendais à en avoir deux, mais pas quatre. C'est encore mieux. À l'intérieur de la boîte, vous aurez, bien sûr, la radiocommande ici. Alors là, j'ai pas grand chose à vous dire, c'est exactement la même que les C72 et C73, à savoir qu'on a le petit volant mousse, le petit liseré ici. Ça fonctionne bien évidemment avec, hop, toujours cette petite vis ici, avec 4 piles LR03. Hop, petit reproche tout de suite, dans les prochaines, mettez-moi une batterie rechargeable dans cette radiocommande. C'est beaucoup plus fun et ça revient moins cher en pile, tout simplement. Donc une petite batterie rechargeable, s'il vous plaît, monsieur Turbo Racing. Et on a toujours, bien sûr, cette petite languette ici pour sortir l'USB-C, tac, et verrouiller pour qu'il reste en place, pour pouvoir recharger quand vous êtes en balade. Vous en servez pas quand vous êtes à la maison, parce que vous consommez les piles qui sont dans la radiocommande. Donc je vous conseille de recharger directement. Et pour ça, vous avez un petit USB-C type C fourni, recharger directement le véhicule sur une prise ou sur un PC ou autre. Évitez de consommer vos piles bêtement. Sinon, toujours la même chose, deux boutons ici, channel 3, channel 4, pour allumer ou éteindre les feux avant. Et là, c'est pour allumer les feux arrière et même faire des appels de phare avec les feux avant. Le bouton de mise en route ici, toujours pareil, sur off à droite, au milieu pour charger et à gauche pour mettre en route. Le petit interrupteur dessus pour faire 20, 50 ou 100% de la puissance, ici pour inverser la direction. Un throttle dual rate ici pour la vitesse maximum du véhicule, quand vous êtes sur 100, je précise. Un throttle trim ici pour régler, vous savez, l'avance ou le recul du véhicule, ça je m'en sers jamais, je le laisse au milieu. Un steering dual rate pour gérer l'amplitude des virages, si vous voulez qu'elle tourne fort ou léger. Et un steering twin, bien sûr, pour régler l'alignement des roues. La gâchette, par contre, on revient à l'ancien système, accélérateur, marche arrière directement, on n'a pas le frein
puis marche arrière. Donc beaucoup plus sympa, bien sûr, pour pouvoir manœuvrer ou pour pouvoir faire du franchissement ou avoir besoin d'avancer et reculer très rapidement. Donc, petite radio, ils n'ont pas changé grand-chose, mais je voudrais juste une radio rechargeable de préférence. Donc l'USB type C, vous le savez, vous avez un adaptateur ici type C, tout simplement parce que les roues sont tellement grosses ici que ça ne va pas atteindre. Je vais vous le sortir. Là, on ne peut pas charger, on ne peut pas rentrer. Donc vous avez cet adaptateur ici que vous branchez dans la voiture, tac. Et ensuite, vous allez pouvoir le brancher directement sur la radio. Et pour la mettre en charge, il faut que la voiture soit éteinte, bien sûr. Et ici, vous n'aurez plus qu'à mettre sur chargement au milieu. Vous avez un témoin rouge là et le témoin s'éteint quand c'est chargé. Environ 40 minutes de charge, toujours pour 30 minutes de jeu. Quelques petites notices qui, bien sûr, ne vous serviront à rien une fois que vous aurez vu la vidéo. Ça, c'est la notice qui vous explique le déballage, justement, et comment on ouvre la voiture. Là, comment la mettre en charge. Ensuite, vous avez un petit truc rapide sur comment binder, par exemple, ou comment charger, etc. Et la notice complète du petit engin qui reprend un petit peu tout ça, mais en détaillant un petit peu. Et vous avez surtout, à la fin, l'éclaté de la voiture avec les pièces détachées et les références de pièces détachées. Vous avez même le circuit, les deux ou trois circuits qui existent en référencement. Et dernière chose, vous avez cette petite plaquette de bandes de stickers double face ici. Vous en avez 3, 6, 9, 10, 11, 12 à peu près. Et ça, ça va être pour fixer vos rampes tout simplement. Vous prenez juste une petite bandelette que vous allez coller ici ou à l'arrière là. Moi, je vous conseille à l'arrière plutôt pour pouvoir le stabiliser sur un endroit où vous allez vous en servir tout simplement. Alors si vous voulez pas user vos bandelettes, je vous conseille simplement de mettre un scotch tout bêtement sur l'arrière et ça suffit largement pour le tenir et le retirer. Le petit engin en lui-même vient par ici, mon petit bonhomme. Le voilà, ce petit 4x4. Alors, vous n'aurez pas ce petit truc tout gluant dessus. Pourquoi ? Parce que dans cette vidéo, je vais vous montrer aussi comment je l'ai transformé en FPV. Parce qu'on va pouvoir faire du FPV si on veut, bien sûr. Mais il faut bricoler un petit peu. Donc, on voit la petite rampe de feu à l'avant, la petite rampe de feu rouge à l'arrière, des gros pneus. Alors, je vais vous la mettre à côté d'une Turbo Racing de base. Hop ! Voilà la C71, vous voyez la taille des roues par rapport à la C71, c'est énorme. Même si on a pratiquement le même empattement, on est forcément un peu plus large à cause des roues. Il n'y a que les roues qui dépassent. Et sinon, au niveau longueur, franchement, ça se vaut. On est un petit peu plus court, mais aussi long que les Mini Cooper, par exemple. On sera juste un petit peu plus haut, tout bêtement. Et elles font environ 5 grammes de plus. C'est adorable. J'adore ce petit 4x4. Colt Sivers aurait adoré ce 4x4. En dessous, vous avez bien sûr la prise type USB-C pour le charger. Vous avez ici un petit trou pour le bind. Oui, vous avez une petite épingle vendue avec pour pouvoir binder. Si par exemple, vous avez déjà une radiocommande, parce que je vais vous dire tout de suite aussi le défaut que je lui trouve. J'en ai que deux. Les deux défauts que je trouve, c'est je voudrais une batterie rechargeable là-dedans et je voudrais que ce modèle-là soit vendu sans radiocommande. La voiture seule pour qu'elle soit un petit peu moins chère. Moins d'accessoires, pas de tremplin par exemple, une plus petite boîte. Donc moins cher et bien sûr sans la radiocommande parce que la plupart des fans de Turbo Racing ont déjà des véhicules et des radiocommandes. Après c'est vrai que c'est bien d'avoir chaque radiocommande pour chaque véhicule quand on veut jouer à plusieurs, mais il y en a qui aimeraient la payer par exemple 20 ou 25 euros de moins parce qu'il n'y a pas la radiocommande. Oui, parce que ce petit pack complet avec les tremplins et tout le tout-team vaut environ 80 euros. J'ai pas de coupon pour l'instant, je vais essayer de vous en trouver un. Vous les trouverez bien sûr dans la description avec les liens et le tableau de coupons et promos. Bien évidemment, si vous voulez aider ma chaîne et participer au concours permanent, vous le savez. Et donc le petit bouton de on-off ici de mise en route, très accessible, facile à utiliser. On va pouvoir l'ouvrir beaucoup plus facilement que les autres Turbo Racing. Vous maintenez les roues et vous tirez. Tirez pas trop fort puisque vous avez le petit câble ici qui est branché pour alimenter les feux avant et arrière. La petite lipo de 75 mAh. Alors, comme vous le voyez, on voit ce petit fil qui se branche ici avec une petite prise qu'on peut sortir. Et il y en a qui vont me dire, on peut s'en servir pour le FPV peut-être. J'ai essayé. Malheureusement, 75 mAh, c'est pas assez pour alimenter les deux petites caméras que j'avais en AIO. Donc après, j'ai pris mon testeur, j'ai regardé, on sort entre 2,8 V et 3,2 V à cette prise-là. Et je pense qu'il faut du 3,3, 3,5 minimum pour alimenter une caméra. Donc j'ai fait autrement, je vais vous l'expliquer.
Donc montage simple et soigné comme d'habitude. On voit un petit ressort ici sur l'arrière. C'est pas un amortisseur bien sûr, c'est simplement pour maintenir avec le clips. Par contre, on va avoir deux sortes de petits amortisseurs sur l'avant. Sur l'arrière, on est fixe comme vous le voyez, mais sur l'avant, on a des petits amortisseurs qui permettent d'absorber un peu les chocs quand vous faites des sauts, tout simplement pour éviter que ça rebondisse dans tous les sens. Donc plutôt bien fini, marrante comme tout, et hop, est facile à remettre en place bien sûr. Pour la mise en route, c'est tout simple, on va d'abord allumer la radiocommande, hop, on la met sur on ici, et ensuite le petit bouton on off sous la voiture. Donc on a automatiquement les phares à l'avant ici, qu'on va pouvoir avec ce channel 3 éteindre ou allumer, et on va avoir l'interrupteur ici pour allumer les feux rouges à l'arrière. Et si vous faites un deuxième cran, toc, vous faites simplement un appel de phare, toc, sur l'avant, mais pas sur l'arrière bien sûr. Donc avant, arrière, super fun pour la piloter et pour savoir dans quel sens aller quand vous êtes très loin, à 8 mètres par exemple. Et voilà, on est parti pour environ 30 minutes de jeu. Alors bien sûr, wheeling autorisé. Oh là là. Et on va pouvoir bien sûr faire des petits sauts, s'amuser. Alors, je vous ai fait quelques vidéos, je vais vous parler tout de suite de la caméra FPV et on va voir la voiture dans différentes configurations bien sûr. Je vous montre ma petite caméra, c'est la même que j'avais installée sur la petite Q33. C'est une petite caméra AIO, je vous mettrai le lien en description bien sûr. Donc là, vous avez la caméra et le VTX à l'arrière, c'est en une seule partie. Et en fait, j'ai ajouté une petite lipo. Moi que j'avais qui fait 100 mAh, j'en ai trouvé en 150, pas beaucoup plus grosse, je vous mettrai le lien dans la vidéo. Le tout, le total de ça fait 7 grammes, donc même si vous mettez une 150 mAh, vous atteindrez à peine les 8 grammes et la voiture emmène ça sans aucun problème. Donc voyez ce petit bloc tout fini, ça veut dire que là j'ai plus qu'à l'alimenter ici, tac, on est en route. Et ensuite, c'est à ça que sert mon double face réutilisable. Ici, j'ai simplement hop, forcé dessus et voilà, c'est installé, c'est en route. Petite caméra FPV en direct live. Bon, autant vous dire que ça, vous pouvez le mettre sur ce que vous voulez une fois que vous l'avez fait, bien sûr. Donc ça, ça revient pas cher, c'est rigolo comme tout. Et avec une 150 mAh ou 100 mAh, vous tenez environ, allez, on va dire 15-20 minutes. C'est largement suffisant pour du FPV. Donc je vous mets quelques petites images tout de suite en FPV, bien sûr, par terre tout d'abord, dans la maison, et puis un petit peu sur le circuit, voir ce que ça donne.
Allez, c'est parti, dans un espace restreint, sans aucun problème, pour les petits sauts. Alors bien sûr, le truc après, ça va être d'écarter les rampes de plus en plus pour réussir à passer les sauts. Et on peut vraiment, c'est très péchu, hein. Niveau vitesse de pointe, vitesse de pointe, on est environ à 7 km/h, donc c'est moins rapide que les C72, C73, même C71, mais c'est beaucoup plus péchu, et surtout ça passe partout, sans problème, c'est vraiment marrant comme tout. Vous voulez quelques petits ralentis de saut? C'est parti. Alors Stéphane, bon moi j'ai rajouté des choses là. Je me lance des petits défis. Alors attention, méga saut sur jump et rampe. Allez, ça passe. Donc toujours aussi maniable, franchement, toujours aussi marrant. Et avec cette pêche, waouh, excellent. On peut vraiment s'éclater. Est-ce que vous voulez voir mon petit parcours de franchissement vite fait en live ? Le voilà, mon petit parcours de franchissement. Donc voilà, c'est de la grosse mousse, avec des découpes, des collages, bien sûr, pour faire cet aspect un petit peu arrondi, pas très carré en fait. J'ai simplement chauffé au briquet, j'ai brûlé un petit peu, pour faire que des arrondis sur les style pierre, un petit peu enneigé. Voilà, ma fille m'a aidé à faire un peu de peinture. On a le volcan de la mort qui tue, la rivière, et quelques petits rochers en mousse que j'ai ajoutés à droite à gauche, des petits passages un petit peu difficiles. Alors moi, sur mon circuit, je peux y aller qu'à 50%, sinon j'ai trop de puissance et c'est trop difficile à régler. Donc voilà l'avantage aussi d'avoir marche avant, marche arrière en direct. Allez, c'est parti, on grimpe, voilà. Alors même si vous êtes en début de côte, bien sûr, vous pouvez sans problème mettre l'accélérateur et passer la côte. C'est pour ça qu'il faut être sur 50%. Sur 25, il n'y aura pas assez de puissance. Allez, on attaque la descente difficile. La marche arrière est un petit peu violente, faut vraiment gérer. Ah, c'est pas un véhicule de franchissement à la base, hein. Mais voyez, on peut vraiment s'amuser. Est-ce que je vais réussir à faire le tour? Allez, ça marche, on passe sous le petit pont. Hop, là on attaque la côte. Ouais, c'est passé. Alors le petit tour du volcan de la mort qui tue. Ah, faut vraiment gérer l'accélérateur. Voilà, le petit pont de Bea, ça passe et là on peut sortir, on est libre. Donc voilà, quelques bouts de mousse, un petit peu de temps en famille. Faites ça avec le fiston ou la fille, pourquoi pas, c'est pas réservé qu'aux garçons. Faites ça en famille, vous allez voir, vous allez kiffer. Donc, que vous dire de plus sur ce petit C81 Turbo Racing? Vous savez que je suis fan, donc je peux pas critiquer plus que ça. Voilà, moi je vous ai dit les deux petites choses que j'aimerais qu'ils soient modifiés sur ces petits engins-là. Après, il y a autre chose que j'aimerais, c'est quitte à avoir un engin de franchissement, pourquoi pas... Je ne sais pas si c'est possible, mais pourquoi pas une démultiplication directement sur la radiocommande, vous savez, pour avoir beaucoup moins de vitesse, mais garder du couple, tout simplement, pour pouvoir avancer tout doucement et reculer tout doucement. Donc une vitesse faible, mais du couple. Voilà, je ne sais pas si c'est faisable directement d'une radiocommande ou s'il faudrait changer les pignons, mais là c'est embêtant parce qu'on ne peut pas passer de l'un à l'autre. Mais sinon voilà, elle est faite pour du jump, elle est faite pour le off-road sans aucun souci. Et le gros avantage, vous l'avez vu en FPV, c'est qu'on peut aller sur du tapis, sur de la moquette, etc. On n'est vraiment pas bloqué. C'est marrant comme tout. Donc voilà les amis pour cette petite C81 de chez Turbo Racing. Vous voulez une petite info, vite fait? Allez, très bientôt, je sais pas quand, peut-être au beau jour, on ira faire une session. Je sortirai, je demanderai à Yacine bien sûr de venir, et je sortirai certainement la EX07 qui est là-haut, ou alors la petite Rally, la 08 426, et on ira se tirer la bourre un petit peu avec
la Traxas qui est là, la Slash. Coucou à toi mon Daniel, merci beaucoup à toi. On a fait un petit échange avec Daniel, voilà. Je vous dirai pas quoi, mais j'avais des trucs qui l'intéressaient, lui il avait ça. Donc je me suis lâché et j'ai une Traxas à la maison, la Slash 4x4 Ultimate. Donc on la sortira, je ferai peut-être pas une revue dessus complètement, parce qu'il y en a déjà plein qui l'ont fait. C'est la spécialité de Manny RC Garage. Je vais pas lui prendre son boulot, il fait bien mieux que moi. Mais en tout cas, on verra comment elle fonctionne et si ça marche aussi bien que ça. Bref, voilà les amis, merci à tous d'avoir suivi. On va tout de suite aller se faire le tirage au sort pour savoir qui a gagné la petite HBX 168-89, l'indestructible. Et moi là-dessus, il me reste plus qu'à vous dire surtout, portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres. Et à très bientôt dans mes vidéos. Ciao, ciao! Yep les amis, c'est parti pour le petit tirage au sort pour savoir qui a gagné la petite HBX 168-89 A Pro, l'indestructible. Donc comme d'habitude, on va prendre le lien de la vidéo. Il y avait combien? 150 commentaires, et encore, il y en a à moi, donc ça va. Vous avez un peu plus de chances de gagner. On va comme d'habitude sur commentpicker.com, on va coller le lien ici. Tac, je fais tout en live bien sûr, et on va chercher les commentaires. 138 en tout, donc vous avez une chance sur 138 de gagner. Donc qui a gagné cette petite HBX? C'est parti dans 3, 2, 1, go. Sébastien Brunet, je connais bien Sébastien Brunet. Elle a l'air vraiment cool cette voiture. Enfin, je connais bien, j'ai souvent parlé avec lui. Donc oui, elle est vraiment cool cette voiture et surtout elle est costaud. Donc Sébastien, je suis enchanté, c'est un Tazou je crois bien. Donc je suis content pour toi que tu aies remporté cette petite HBX. Donc voilà pour ce concours, on a notre gagnant et quel gagnant. Donc on se retrouve bien sûr mercredi prochain pour une prochaine vidéo, je sais pas encore ce que c'est. Et samedi qui suit pour le tirage au sort du concours permanent. Donc voilà, bonne chance à tous, vous voyez, il suffit de participer pour gagner, même si on croit que ça n'arrive qu'aux autres. Évidemment, il faut participer. Allez, ciao, ciao!